travail, sans tapis, sans austérité. C'est pas les idées qui nous manquent. Faudrait déjà que les banques ne soient pas des banques. Gilets jaunes, c'est toi. Gilets jaunes, c'est moi. Bonjour. Bonjour. Parole de Gilets jaunes, aujourd'hui, à Fréquence 7. Je redis, je passe la pommade à Fréquence 7, mais parce qu'on est, c'est normal. Fréquence 7 qui nous laisse la parole, et merci encore. Alors, aujourd'hui, on veut parler des retraites, hein, évidemment. Vous n'allez pas vous attendre à autre chose. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ces retraites? Virginie, tu vas nous parler, peut-être faire un retour sur ce qui s'est passé, les manifs et tout ça. Et oui, ça fait des semaines maintenant qu'on attendait ce début de grève générale qui était annoncé pour le jeudi 5 décembre, donc jeudi dernier, et où on a fait un joli score puisque ça a amené 1,2 million de personnes dans les rues partout en France, avec énormément de monde dans les grosses villes, mais aussi partout dans les plus petites. Et sur Aubenas, ce jour-là, on était entre 3500 et 4000 personnes. Donc c'est un super chiffre. On n'avait pas vu ça depuis longtemps. Derrière ça, donc, les grèves ont été reconduites par beaucoup de syndicats et dans beaucoup d'entreprises, avec un nouvel appel à la manifestation mardi 10, où cette fois-ci, on était 650 000 à peu près dans les rues de France. Alors on pourrait se dire que c'est beaucoup moins, mais c'était aussi la veille du discours d'Édouard Philippe qui devait essayer de nous passer de la pommade sur cette fameuse réforme des retraites. Et au vu de ce qui a été annoncé donc mercredi 11, je pense que ces chiffres vont s'amplifier à nouveau. On peut le voir aujourd'hui, il y a des blocages qui se mettent en place de partout, alors qu'ils étaient déjà effectifs hein, sur les raffineries, les entreprises de bus, enfin partout. Et à ce matin, ça bloque vraiment de partout en France et ça se ravigote. Oui, parce que pour anecdote, Édouard Philippe nous a mis les points sur les i. Les points sur les i. Pour anecdote, aujourd'hui, certains profs de lycée sur Aubenas, Gimont entre autres, sont arrivés déguisés en vieux, avec des déambulateurs, des cannes, les cheveux blancs, enfin, pour montrer leur mécontentement. Et donc cette grève générale, elle est amenée à continuer jusqu'à tant que. Hein ? Oui, voilà. Voilà. Alors, oui, c'est bien que tu parles de ces profs parce que ils sont quand même un peu chevillés ouvrières aussi sur le mouvement là, hein, parce qu'on les a vus venir au rond-point. Ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Hein. Oui, ouais, tout le monde se mêle là. Tout le monde commence à comprendre que l'union fait la force et que si on n'est pas tous ensemble, on n'obtiendra rien. Mais que si on l'est tous ensemble, peut-être on réussira à faire fléchir ce gouvernement de taré. Alors peut-être, Dominique, tu nous précises un petit peu des choses sur cette réforme par rapport aux femmes, non? Alors déjà, globalement, peut-être quelques points, parce que Édouard Philippe nous a prétendument fait quelques annonces hier, soi-disant prenant en compte les demandes des uns et des autres. En fait, on a assisté à une grosse opération d'enfumage global, de mensonges même, permanent. Avec notamment l'histoire de l'âge pivot à 64 ans, qui est une vaste rigolade, parce que franchement, 64 ans, au jour d'aujourd'hui, l'espérance de vie en bonne santé, en moyenne, est de 63 ans. Et pour un ouvrier, elle est de 59 ans et demi. Donc vous imaginez bien qu'avec un âge pivot à 64 ans, on sera quasiment tous morts ou en déambulatoire, justement, à 64 ans, quand on aura peut-être le droit de commencer à prendre une retraite. Sur les autres points qu'il a dit, c'est tout du même acabit. Globalement, donc pas de pension inférieure à 1000 euros. On aura l'occasion d'y revenir après quand on parlera des femmes ou des agriculteurs. Mais là aussi, c'est de l'enfumage complet. On vous expliquera pourquoi. Et la question de la retraite à point, où il nous garantit que ça va être sanctuarisé, que c'est les partenaires sociaux qui vont discuter, machin, etc. Mais non, parce qu'en fait, il a bien dit aussi que si les partenaires sociaux ne se mettaient pas d'accord, c'est l'État qui décidera. Donc on sait très bien, et Fillon l'avait dit tout à fait publiquement dans une conférence. Mais peut-être, Virginie, tu peux en parler de Fillon, là, comment il avait dit ça, non? Oui, justement, je te coince. Alors, Dominique. Fillon, il avait simplement
Oui, Virginie nous l'a rappelé tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on l'a vu, cet épisode tourné pas mal ces temps-ci, avait expliqué devant un panel de think tank, de patrons, etc., que la retraite à points, c'était le meilleur moyen de faire baisser le point tous les ans. Donc on sait que l'objectif, il est là, que c'est ce qui sera demandé aux partenaires sociaux tous les ans de regarder la valeur du point en fonction du budget disponible. Et comme tout ce qui est mis en place va faire baisser les revenus, les ressources, pour les retraites, et bien automatiquement tout le monde sera poussé à baisser le point. Il n'y a pas besoin de le rendre obligatoire pour ça. Donc il n'y a rien de sanctuarisé du tout, c'est du vent. Il y a également un autre gros problème, et ça je ne l'ai pas trop vu soulever récemment, il n'y a que les économistes atterrés que j'ai entendu en parler hier, c'est que alors ils ont fait un truc extrêmement compliqué avec effectivement les jeunes qui allaient en prendre plein la figure, mais nous les vieux on serait protégés, soi-disant, sauf que du moment où la retraite à points va être en service, qu'est-ce qui va se passer? Historiquement, c'est quoi? Mes parents, ils ont travaillé, ils ont payé des cotisations retraite pour leurs parents. Moi-même, j'ai travaillé, j'ai payé des cotisations retraite pour mes parents, parce qu'il y avait pour alimenter les caisses, pour payer la retraite. Mes enfants travaillent aujourd'hui, c'est leur travail et leur cotisation qui payent mes retraites. Du moment où les jeunes vont basculer en retraite à points, tous ceux qui étaient de l'ancien régime, il n'y aura plus d'argent dans les caisses pour les payer. Et ça, ils n'en parlent pas. C'est-à-dire que les caisses de sécurité sociale ne pourront pas payer les retraites déjà acquises à ce moment-là. Donc ça, c'est quand même un gros lièvre qu'il va falloir lever sincèrement. En plus, donc, ils basculent de 25 ans à l'ensemble de la carrière. Alors là, tout est impacté. Tout le monde est impacté par ça, parce que tout le monde a démarré petit. Tout le monde a fait qui un apprentissage, qui des études, qui etc. Et donc, tout va être pris en compte. Quand on est étudiant et qu'on fait des petits boulots de caissier à carton ou moins, ben ça sera compté. Donc, automatiquement, ça entraîne une baisse générale de toutes les retraites pour tout le monde. Alors, tu voulais parler aussi particulièrement des retraites des femmes. Alors, pour les femmes, c'est le pompon, parce qu'ils se revendiquent de vouloir améliorer les retraites des femmes, ce qui n'est pas du tout le cas dans les faits. On va le voir très rapidement. Grosso modo, pour les femmes, il est envisagé, donc, cette histoire de 25 ans qui impacte très fortement. Ensuite, nous avons l'autre question particulière. Des jeunes qui veulent participer. Des jeunes qui veulent participer à l'émission. Eh bien voilà, c'est super. Donc voilà, si vous voulez participer et dire des choses, mais on n'a pas beaucoup de temps. Hein. Tu continues un tout petit peu. Je termine peut-être sur les femmes pour qu'on dégage un peu de temps pour ce que les jeunes ont l'intention de nous dire. Donc soyons clairs, pour les femmes, on sait qu'aujourd'hui, les ressources des femmes sont largement inférieures à celles des hommes toute leur carrière. Qu'en plus, au moment de la retraite, en gros, c'est 40% de moins. Donc, c'est encore plus fort. Qu'en plus, la question de la reversion, qui doit être de fait supprimée, soyons clairs, avec leur système, et qu'ils essaient de compenser tout ça, ils suppriment aussi les bonus pour enfants qui étaient aux femmes, qui gagnaient des trimestres par enfant. Ils suppriment tout ça, et à la place, ils nous annoncent un bonus de 5% par enfant pour les parents. On sait très bien aujourd'hui que comme ce sont les hommes qui gagnent les plus hauts salaires, ce bonus-là, tous les couples vont faire le choix de l'appliquer de 5% sur les salaires des hommes et non pas sur les salaires des femmes. Et donc les femmes, ça va encore plus faire baisser leur retraite. Donc on est dans une arnaque monumentale qui amène à paupériser encore plus les femmes. Que, bon, alors il y a des calculs très savants qui ont été faits qui le démontrent par A plus B. On ne peut pas les dire ici, mais c'est clair et net, vous pouvez vous renseigner partout. C'est un projet qui détruit le niveau de vie des femmes dans l'avenir. Alors on aura Denis après, mais d'abord peut-être la place aux jeunes. Bonjour. C'est pour annoncer que nous, les jeunes, on est impliqués dans la bataille contre le gouvernement. On a subi de nombreuses désorganisations déjà à cause de la réforme du bac, qui nous a... Et que cette nouvelle réforme concernant les retraites, on va se faire doublement pénaliser. En plus de ça, on voit que la précarité chez les étudiants augmente. Et ça ne nous assure pas un avenir stable, non seulement actuellement avec le bac, avec cette réforme du bac qui a été faite dans la précipitation, et non seulement pour notre avenir un peu plus proche, donc lors de nos études, et en plus de ça, on apprend qu'une réforme des retraites est en cours, et que cette réforme des retraites est encore pire pour notre avenir qui sera là lointain. Donc nous, les étudiants, enfin les lycéens, on s'est mobilisés jeudi, vendredi et mardi à la manifestation. Je ne sais pas combien on était, mais j'ai vu à peu près
150 têtes de lycéens et je trouve que c'est quand même déjà bien. Voilà. Super. Très bien. Tu veux dire quelque chose ? Bon, voilà. Vous avez des choses à annoncer particulières ou... Je crois que mardi, il y a un nouveau mouvement qui s'annonce et on compte bien faire partie de ce mouvement. On a fait des tracts déjà, on en a mis partout dans notre lycée. On tient à dire que le proviseur les a retirés. Voilà, donc ils ont tenu une heure de tract malgré qu'on en ait fait 200. On ne peut pas informer les élèves, voilà, c'est compliqué. Donc on aimerait que des tracts soient distribués devant notre lycée, peut-être par des personnes qui sont impliquées, d'accord, qui sont majeures. Voilà, ça serait plus pertinent pour nous. Eh bien, pas de souci, on va trouver ça. Et les autres lycées ? Donc dans ce mouvement, on compte des gens de Astier et de Gimont. Après, je ne pourrais pas vous dire plus précisément. D'accord. Voilà. Après, on aimerait bien que les professeurs en parlent un petit peu plus en classe, si possible. Ah. Alors, est-ce que vous avez fini ou vous voulez dire encore deux choses ? Non ? Parce que donc, Denis, tu voulais nous parler de la retraite des agriculteurs. On n'a plus beaucoup de temps, hein ? 2-3 minutes. Oui, non, mais pas de souci. Bon, mais les agriculteurs, on va faire vite. Les agriculteurs, ben, elle est souvent... La moyenne, c'est 855 euros par mois pour une carrière complète. Ils ont été déjà mis en 2003 que c'était toute leur carrière qui comptait et pas les 25 premières années. Ça fait que ça a fait baisser encore leur pension de retraite. Il y a 500 000 actifs pour 1,3 million de retraités. Donc évidemment, il y a un gros déséquilibre dans les caisses de retraite. C'est l'agriculture, c'est ouais, un paysan, sur tous les trois jours, un paysan arrête, un truc comme ça, donc c'est impressionnant. Donc ça, évidemment, ça fait un déséquilibre. Et puis, il y avait, à un passé moment, il y avait les non-paysans, donc le Crédit Agricole, le Groupama, la DMR qui cotisait dans le mouvement MSA, et ils ont été retirés, ils sont passés dans le régime général. Donc du coup, ça accentue le déséquilibre. Et en 2003, déjà, M. Delevoye était au manœuvre, et ils avaient dit que les agriculteurs toucheraient 1 000 euros minimum. Et M. Dussopt, notre cher M. Dussopt, là, du Nord-Ardèche, en 2018, a arrêté la réforme et a annulé la somme de l'argent que les agriculteurs avaient touché. Mais en ce moment, il nous explique que tout le monde aura au moins 1 000 euros au minimum. Donc oui. Ça aussi, c'est un mensonge. Ah oui, bien sûr, c'est un mensonge, parce que c'est toujours pareil, quand on entend les choses, on entend des fois pas tout, voilà, on est un peu des fois pris par l'annonce, et c'est, en réalité, c'est pour les carrières complètes, et à condition que l'agriculteur ait versé 6 000 euros de cotisation par an, donc 500 euros. Des agriculteurs qui ont versé 500 euros de cotisation par an, il y en a très peu, donc il y en a très peu par mois. Il y en a très peu qui seront concernés par la réforme et par les 1 000 euros. Virginie, tu peux nous rappeler un petit peu quand est-ce qu'il y a les prochaines rencontres ? Au vu de tout ce qui vient de se dire, la grogne, elle n'est pas finie, bien au contraire. Donc au niveau local, on a un rassemblement qui se fait aujourd'hui, jeudi 12 à 14h30 au rond-point de Ponson. Et en fonction du nombre qu'on sera, on décidera des actions qui seront menées. Vous avez à nouveau un rassemblement qui est prévu, cette fois-ci sur le rond-point de Millet, samedi 14 à 10h. Où on vous attend nombreux. Et puis à nouveau, Jalbissin en parlait, je ne sais pas ton prénom, excuse-moi, ce gros mouvement, enfin ce gros appel national pour mardi prochain, 17, pour à nouveau une très grosse manifestation. De toute façon, c'est clair, si on n'est pas en masse dans la rue et si on ne bloque pas dans tous les sens, on ne fera pas fléchir. Donc soyez nombreux. Voilà. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Bye bye. Merci beaucoup d'être passé. Il paraît qu'il y a des profs qui ont déguisé en vieux. Oui, là, j'ai cru en ça. Mais ouais, ma fille m'a envoyé un message. Une fois, elle était à l'école. Après, les profs qui en parlent dans les classes, je pense que...